Bonjour et bienvenue à ce cinquième grand rendez-vous en santé de la Faculté de médecine de l'Université Laval, qui fait partie d'une série de 7 conférences cette année. Dans le cadre de notre mission de responsabilité sociale, nous nous faisons un devoir de rassembler et d'informer la population autour d'enjeux qui ont une influence directe sur la santé. Peu importe votre origine ou votre réalité au quotidien, c'est un honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. J'offre mes salutations toutes particulières aux gens de notre réseau de formation et de recherche de tout l'Est du Québec, ainsi qu'à nos communautés autochtones partenaires. Que vous soyez à Percé, à Québec, Baie-Comeau ou aux Îles-de-la-Madeleine, nous prenons ce moment d'arrêt ensemble aujourd'hui, malgré la distance qui nous sépare. En cette période de pandémie où le stress est omniprésent dans nos vies, nous sommes très fiers d'accueillir la professeure Caroline Ménard, également titulaire d'une chaire de recherche Sentinelle Nord. Merci Caroline d'avoir accepté notre invitation et de partager tes connaissances avec la population. Et merci à vous, chères participantes et participants, pour votre présence virtuelle. Bonjour à toutes et à tous. En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues chez Gestion financière MD, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire aujourd'hui sur la biologie du stress et la santé mentale, présenté par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Bravo à la Faculté de médecine. La présentation de ces grands rendez-vous en santé est vraiment une preuve de votre dynamisme et de votre proactivité. Et le sujet d'aujourd'hui, est, encore une fois, en est une preuve. Avec le contexte que l'on vit au niveau du télétravail, l'école à distance, savoir gérer, en connaître plus sur le stress, comment gérer le stress, comment composer avec ce nouvel environnement est excessivement pertinent. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec Dr. Caroline Ménard, on va en savoir plus. Et je vous remercie, Dr. Ménard, de partager vos connaissances avec nous aujourd'hui. On se souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, c'est un immense plaisir, privilège d'être là. Bienvenue au grand rendez-vous en santé, une présentation de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Et nous avons aujourd'hui des co-présentateurs, donc en collaboration avec la recherche Cerveau, C-E-R-V-O, du CIUS de la Capitale-Nationale, et notre précieux partenaire présentateur, Gestion financière MD. Aujourd'hui, on vous propose un temps d'arrêt afin de discuter biologie du stress et santé mentale. On le sait, on est en période de pandémie, on vit tous avec une certaine forme de stress, mais qu'en est-il réellement? Qui est-il? Qu'est-ce que c'est que ce stress-là? Donc, c'est le genre de questions qu'on va poser. Évidemment, on va aller beaucoup plus loin. Merci d'être en aussi grand nombre. Je constate qu'on est 570-75 en ce moment, donc n'hésitez pas à partager, à inviter des gens autour de vous qui pourraient être intéressés par le sujet. C'est déjà formidable que vous soyez là, vous êtes très curieux, alors merci d'être avec nous. N'hésitez pas de nous dire de quel coin de la région vous provenez, de quelle ville. Et je vous demande aussi une petite question. En général, ces temps-ci, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous vous sentez stressé? 1 étant très calme, tout va bien, et 10 étant, ben, il y a beaucoup de choses qui me stressent et j'ai une vie excessivement stressante. Donc, n'hésitez pas dans le clavardage à mentionner un chiffre entre 1 et 10. On va avoir un portrait global un peu des gens qui nous écoutent. Et puis, je peux vous poser la question aussi, est-ce que la pandémie a augmenté votre niveau de stress ou l'a plutôt diminué? Donc, pour certaines personnes, ça a peut-être déposé certaines choses, ça ralentit les horaires, le trafic, etc. Donc, il y a plusieurs sources de stress qui ont peut-être disparu, mais il y en a d'autres qui sont peut-être nées. Donc, je vous pose la question, n'hésitez pas à échanger à ce sujet-là. Alors, je suis Serge Bonin. Je suis l'animateur des grands rendez-vous en santé, également directeur de la chaire publique alliée à l'Université Laval. Et sans plus tarder, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui, qui s'appelle Caroline Ménard. Vous me permettez de vous appeler Caroline? Oui, bien sûr, Serge. Ben, bonjour, bienvenue, merci excessivement d'avoir accepté cette invitation-là. Bon, je vous disais, on a passé de 600 personnes. Moi, je ressens une petite énergie que j'oserais qualifier de stress. Est-ce que ce genre d'événement-là, de conférence-là, vous stresse?
Ouais, ben on vit beaucoup d'expériences là dans une carrière en recherche. C'est sûr que donner des conférences, c'est toujours différent d'une fois à l'autre. Cette nuit, c'était un format différent ce matin, donc j'ai fait des drôles de rêves. Mais ça se peut que ce soit les chats qui se chamaillaient sur le lit aussi. Ça arrive. Donc, on a un petit stress félin à la maison. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Durant la conférence, évidemment, on vous invite à suivre les règles de la netiquette, hein, l'étiquette du net, donc principalement la courtoisie dans vos commentaires. Évidemment, on est à la merci de la technologie. Il se peut qu'il y ait des interruptions. Vous pouvez rafraîchir votre page. Sinon, restez sur la page de la Faculté de médecine. Si toutefois le lien est rompu, on en génère un nouveau et vous allez nous retrouver facilement. Je vous dis comment ça va se passer cette heure que nous allons passer ensemble. Donc, la conférence va débuter avec une présentation d'une vingtaine de minutes de Caroline Ménard. Et on va terminer avec une quinzaine de questions du public. On en a reçu à peu près une centaine. On en a sélectionné pour éviter les redites par rapport à ce qu'il y a dans la présentation, mais aussi les recoupements entre questions. Donc, on en a comme ça. Et puis, si vous en écrivez dans le clavardage, je pourrais en sélectionner quelques-unes aussi. Là, si on a le temps, on va essayer d'en glisser deux, trois au fil de la conversation. Donc, n'hésitez pas à en poser. Il y a aussi des gens qui sont avec nous en ligne. Je crois que Caroline, vous avez une étudiante d'ailleurs qui répond à des questions spécifiques sur le stress. Oui, donc j'ai Laurence Dion-Albert, qui est une étudiante au doctorat en neurosciences là, dans mon équipe depuis maintenant presque 2 ans. Donc Laurence s'intéresse aux différences sexuelles, donc homme-femme dans le contexte de la dépression. Je suis très contente qu'elle soit là pour répondre à des questions là, du public. Ben, c'est déjà une question intéressante, hein, la différence entre les hommes et les femmes sur la gestion du stress, anxiété. Là, vous parlez de dépression. Il y a sûrement, enfin, on va établir le vocabulaire peut-être un peu plus tard. Alors, je passe rapidement à votre biographie. Vous êtes professeur au département de psychiatrie et de neurosciences. Vous êtes également chercheur au Centre de recherche cerveau du CIUS de la Capitale-Nationale. Et à ce qu'on m'a dit, paraît-il, vous avez une passion qui peut être un petit peu surprenante pour une professeure, une chercheure à l'université. Vous êtes une fan de heavy metal. Honnêtement, je pense pas que c'est ça surprenant que ça pour Ah les non? chercheurs ou professeurs d'université, mais faut savoir qu'une recherche en une carrière en recherche ou en sciences, ça comporte comme des montagnes russes. Il y a beaucoup de hauts, de bas. Des fois, des grandes découvertes, ça va être des hauts extraordinaires, mais on a des bas, beaucoup de rejets, les subventions, les articles scientifiques. Donc, aller se défouler là sur un parterre dans un concert, malheureusement avec la pandémie là, c'est sur la glace, mais je suis pas, j'ai pas de doute que ça va revenir là. J'espère rapidement. Une belle façon de libérer le stress, libérer l'énergie, là. Ouais. Absolument. On débute avec la présentation sur la biologie du stress et la santé mentale. Bon, je vous signale, pendant la présentation, Caroline va apparaître en plus petit dans le coin de l'écran, mais n'ayez crainte, sitôt que le PowerPoint va disparaître, on va la revoir en gros plan. Donc, n'ayez pas peur, elle sera de retour avec nous. Alors, Caroline, je vous laisse le contrôle pour une vingtaine de minutes. Parfait, merci beaucoup Serge. Donc, je vais vous partager ça. Voilà, donc, je vais mettre un pointeur aussi. Je trouve ça plus joli avec le pointeur. Voilà. Donc, d'abord, merci à tous d'être ici là, en ce matin, ce mercredi matin un peu enneigé. C'est un plaisir pour moi de sortir de mon sous-sol pour venir à votre rencontre là, via les réseaux sociaux. Donc, je vais débuter dès maintenant. Serge a un peu volé là, ma première diapo en vous demandant le stress dans nos vies. Est-ce que je vous demande en général, est-ce que vous vous considérez stressé extrêmement, assez, un peu ou pas du tout? Donc, si on demande à plusieurs Canadiens comment ils se sentent, c'est un petit peu petit, donc je vous l'ai mis plus gros. Il y a à peu près un quart des gens qui vont se considérer beaucoup stressés, à peu près la moitié qui vont dire un peu ou assez. Il y en a un quart qui vont dire pas du tout. On les appelle des aussi de temps en temps. Et donc, quand on demande aux gens qu'est-ce qui les stresse, il y a plusieurs sources de stress. Le principal, ça va être le travail. Si on est un étudiant, ça va être les études, donc à peu près aux 2 tiers. On a aussi les finances, le manque de temps, des enjeux au niveau de la famille ou des problèmes personnels. Une chose qui est importante à noter, c'est quand on parle du travail, bien, on travaille longtemps et beaucoup dans notre vie. Donc, ça peut être une forme de stress qu'on va considérer chronique. On travaille 5 jours sur 7, on travaille de 9 à 5. Et donc, c'est une forme de stress auquel il faut faire attention. Fait
On va commencer par faire la différence entre un stress aigu et un stress chronique. Vous avez des exemples en bas à gauche de stress aigu. Donc, par exemple, être pris dans le trafic le matin, faire du camping et entendre un bruit pendant la nuit, ou encore donner une présentation comme je le fais ce matin, c'est ce qu'on peut se considérer un stress aigu. Ce qui est important, c'est qu'on sait que c'est défini dans le temps. Donc, quand on va arriver au travail, le trafic, ça va être fini. Quand le soleil va se lever, on espère l'ours va être parti. Ou encore, quand on donne notre conférence, on sait que ça va durer 15 minutes, 20 minutes, etc. Donc, on a un certain contrôle. On sait combien de temps ça va durer. Par contre, du côté droit, vous avez des exemples de stress chronique. Par exemple, la perte d'un proche, on va vivre beaucoup un deuil, de la douleur, de la peine. On ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer à se sentir mieux. Le travail, je l'ai mentionné, on travaille beaucoup. De la douleur aussi, si on vit de la douleur chronique, on ne sait pas toujours quand est-ce que ça va survenir et combien de temps. Et enfin aussi, il y a l'intimidation sociale. Donc, on en parle de plus en plus là, au niveau dans les écoles, mais ça peut arriver aussi dans des milieux de travail là, ou chez des adultes. Donc, on ne sait pas quand est-ce que l'intimidateur ou le bully va survenir et on va se faire harceler. Les médias sociaux aussi hein, sont un exemple. Et donc, c'est plus la forme là, auquel il faut faire attention, le stress chronique. Face au stress, on peut être résilient. On entend beaucoup de parler de résilience depuis les dernières années, même dans le contexte de la COVID, là, on parle beaucoup de résilience. En général, quand on parle de stress, on définit la résilience, vous l'avez ici la définition, donc une capacité de résister ou récupérer rapidement face à des conditions difficiles, de l'adversité. Il y a différentes formes de résilience. On croyait dans les années 60, 70, quand la recherche a commencé à ce niveau-là, moi jusqu'aux années 80, que les facteurs de protection, ce qui menait à être plus résilient, c'était beaucoup l'attitude, donc être plus positif, être optimiste, voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Par contre, on s'est rendu compte avec le plus en plus de recherches, surtout au niveau de la biologie, que c'est pas seulement une question d'attitude, il y a aussi de la biologie, de la psychologie en arrière de ça et des changements au niveau de notre corps qui peuvent favoriser la résilience versus une vulnérabilité au stress. Et donc, si je récapitule un petit peu là, au niveau de la recherche, vous avez ça ici. Donc, comme je disais, dans les années 70, il y a eu plusieurs recherches, entre autre chez les enfants qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on se disait, ces enfants-là ont vécu un grand stress, un gros traumatisme très jeune. Donc, il y a des grosses chances qu'ils vont devenir vont être plus vulnérables ou plus propices à avoir des troubles de l'humeur comme de la dépression à l'âge adulte. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y a de ces enfants-là qui étaient hyper résilients, qui avaient développé des stratégies pour être heureux ou en tout cas qui avaient surmonté cette vulnérabilité-là. Et donc, on a commencé à s'intéresser de plus en plus à la biologie. Donc, on a passé là vraiment au niveau de l'attitude, au niveau de l'optimisme, à s'en aller vers mieux en comprendre les processus de la résilience, puis comment ces adaptations positives-là pouvaient surmonter l'adversité. Dans le début des années 2000, fin 90, on a regardé beaucoup au niveau des hormones, donc les hormones de stress. Quand on est stressé, on va en reparler, là, notre corps réagit, entre autres, en relâchant des hormones. On a ensuite évolué vers des adaptations plus au niveau du cerveau. On a développé des modèles animaux pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, parce qu'on sait que les modèles animaux sont nécessaires parce que chez l'humain, un des problèmes, c'est que quand on vit du stress, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie d'un tout. Puis si on veut comprendre, par exemple, trouver des façons d'améliorer notre réponse au stress, je vais en reparler aussi, mais par exemple, l'exercice, ben chez quelqu'un qui commence à faire de l'exercice, généralement, il va aussi manger mieux, va dormir mieux. Fait que si on veut comprendre le rôle spécifique de l'exercice, c'est là que les modèles animaux peuvent rentrer en ligne de compte et être un excellent outil parce qu'on peut isoler cette variable-là pour mieux comprendre les effets. Puis de plus en plus, depuis là, les années 2010-2015, bien, on s'intéresse à la résilience. Donc, on regarde les deux côtés de la médaille, comment ou pourquoi, face à l'adversité, on peut devenir plus vulnérable, mais aussi comment on peut devenir plus résilient d'un point de vue de la biologie. Puis on croit que ça pourrait aider là, à développer des nouveaux traitements innovateurs. Et donc, dans mon équipe de recherche, mon labo, on s'intéresse beaucoup à la santé cardiovasculaire. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, d'abord, la dépression et ses impacts. On sait qu'un stress chronique peut mener à la dépression. C'est le principal facteur environnemental de devenir déprimé. La dépression, c'est maintenant considéré la principale cause d'invalidité au niveau de l'OMS. C'est à peu près 7% là, des gens sur une année qui vont vivre de la dépression ou des épisodes. On parle d'une personne sur 5 au cours de la vie, donc ça touche beaucoup de gens, des gens autour de vous certainement. On sait que malheureusement, il y a 30 à 50 % des gens qui sont déprimés qui résistent
ou qui ne répondent pas très bien aux traitements actuels. Parfois, il faut en essayer plusieurs avant d'avoir une bonne réponse. Et ça peut prendre, généralement, ça prend plusieurs semaines avant de commencer à faire effet, 6 à 8 semaines, par exemple. Et donc, nous, on s'intéresse à la santé cardiovasculaire pour plusieurs raisons. D'abord, tous les traitements actuels focusent beaucoup sur le cerveau, sur les neurones, les cellules du cerveau qui permettent là, de encoder l'information, de gérer les émotions, etc. Puis on croit qu'on a peut-être de la résistance au traitement parce qu'on ignore d'autres mécanismes biologiques. Donc, ça passe pas seulement par le cerveau. On croit que le stress, on le sait, ça peut impliquer tout le corps, donc le cœur, la respiration, plein d'autres organes que le cerveau. Et donc, peut-être qu'on ignore d'autres mécanismes biologiques en étudiant seulement ce qui se passe là, au niveau du cerveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous disais que la dépression, la prévalence, donc le pourcentage de gens qui vont souffrir de dépression, c'est à peu près 7 % sur une année. Par contre, chez les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, ça monte à 17 à 27 % selon les études. Donc, on a beaucoup plus, 3 fois plus ou 4 fois plus de prévalence chez ces gens-là. Puis chez les gens qui vivent un accident cérébrovasculaire, ça peut être jusqu'à 50 % là, dans les 5 années suivant l'accident. Et donc, on se demande pourquoi ces gens-là qui ont ce type de maladie souffrent plus de dépression. On sait aussi que souvent chez eux, le traitement marche moins bien. Et donc, on pense que dans les mécanismes communs, ça pourrait être entre autres l'inflammation. Donc, on pourrait avoir de l'inflammation qui éventuellement, le stress causerait de l'inflammation qui éventuellement amènera à des changements, entre autres au niveau du cerveau. Et donc, je vous mentionne ici, je prends une petite pause pour vous mentionner au niveau de la recherche, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Donc, vous pouvez voir ici, comme je vous disais, le nombre d'années qu'on vit avec une incapacité. C'est une étude qui est sortie très récemment, là, à la fin de l'année dernière. On voit que la santé mentale, c'est le plus grand facteur d'années perdues avec des incapacités quand on compare avec d'autres. Par exemple, des maladies métaboliques, neurologiques, respiratoires, des infections ou encore le cancer qui est ici en bas en jaune. Par contre, quand on regarde l'argent qui est investi en santé mentale, en recherche, même si on est ici dans le nombre d'années d'incapacité, on est pas mal dans les plus bas en argent au niveau de la recherche. Il y a plusieurs raisons à ça. Heureusement, c'est appelé à changer. La santé mentale est un peu tabou depuis longtemps. On mettait beaucoup la responsabilité sur la personne d'essayer de on peut s'arranger pour se sentir mieux. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça nous prend des meilleurs traitements, ça prend aussi des ressources, un accès à ces ressources-là. C'est aussi un tout, donc, de se sentir mieux. Les proches peuvent faire une différence, le milieu de travail. Puis encore une fois, il faut avoir accès à de l'aide, là, quand on a besoin. Et comme je vous disais, on s'intéresse entre autres aux maladies cardiovasculaires qui sont aussi la cause du plus grand nombre d'années de vie perdues. Encore une fois, l'argent ne suit pas l'importance de la cause et on espère que ça va changer. Puis je vous promets qu'on avait commencé à faire ces recherches-là avant. Là, on n'a pas choisi les deux catégories là, complètement en haut. Il faut savoir que c'est important quand même, c'est essentiel d'avoir de l'argent pour la recherche sur le cancer. Et donc, on ne veut surtout pas en prendre dans ce domaine-là pour le mettre dans la santé mentale. On croit que c'est un investissement supplémentaire là, qui est nécessaire. Encore une fois, surtout au niveau des ressources puis de l'aide. C'est un investissement qui est payant. Donc, vous pouvez voir que ça fait une grosse différence là, si on pourrait diminuer le nombre d'années d'incapacité perdues. Et donc, je vous parlais un peu de souris. Donc, le modèle animal qu'on utilise, nous, pour étudier la biologie de la dépression, c'est la souris. Une question que je me fais souvent poser, c'est comment qu'on peut savoir qu'une souris est dépressive? Donc, comme je vous disais, le stress chronique, c'est le principal facteur de risque de devenir déprimé. On tire avantage de ça un peu en stressant nos souris pour mieux comprendre la biologie, à la fois de la dépression et du stress chronique et de la résilience de l'autre côté. Vous avez les symptômes là, de la dépression ici qui sont sur les différents points. Tout ce qui est en gras, c'est des choses qu'on peut mesurer chez la souris, donc des comportements anxieux, l'isolement social, des troubles du sommeil, etc. Il y a les idées noires, les pensées suicidaires qu'on n'a pas encore réussi à faire. Il y a des gens qui essaient de voir si on pourrait écouter les souris avec des ultrasons. Donc, il y a quand même de la recherche qui se fait à ce niveau-là aussi. Mais vous pouvez voir qu'on a quand même une très bonne idée là, si une souris se sent bien ou pas. Et on peut essayer de mieux comprendre là, la biologie de la dépression avec ces modèles.
Donc, je vous donne un exemple ici. On utilise dans mon labo l'intimidation sociale chez la souris. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va induire des comportements dépressifs, notamment de l'isolement social, de l'anxiété, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des souris qui vont être résilientes. Donc, même si on les stresse après 10 jours, ce qui est quand même assez long là, pour une souris, on a des souris qui vont quand même vouloir interagir avec une autre souris qu'ils n'ont jamais rencontrée, donc qui vont être résilientes, alors qu'on a certaines qui vont vouloir vraiment s'isoler et rester le plus loin possible là, de leur congénère. Et donc ça nous permet d'étudier les deux côtés de la médaille, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le sang, la santé vasculaire, le système immunitaire, etc. Donc on a des modèles comme ça pour mieux comprendre. Il faut savoir que la dépression et les troubles de l'humeur, c'est diagnostiqué avec des questionnaires, donc chez l'humain. Encore une fois, on ne peut pas faire ça chez les souris, mais avec des tests de comportement, on peut quand même là, évaluer comment elles se sentent, puis faire des corrélations entre ce qu'on voit dans la biologie puis ce qu'on voit au niveau des comportements. Vous avez ici, là, si on stresse un grand nombre de souris, là, à peu près une centaine, on voit qu'on a un spectre. Donc, on a des souris qui vont être vulnérables au stress, on va dire susceptibles. Il y en a qui vont être qui vont s'isoler beaucoup, il y en a d'autres qui vont s'isoler un peu moins, puis on a qui vont être résilientes, à peu près un tiers à 40 %. Et donc, on peut vraiment étudier le spectre, là, de la réponse au stress, un peu comme on voit chez l'humain. Ce qui est intéressant, c'est que même les contrôles pas stressés, on en a des contrôles qui vont aussi moins interagir. Donc, encore une fois, comme chez l'humain. Et ça nous donne un beau modèle, là, pour mieux comprendre ce qui se passe. Je vais vous parler un petit peu de la barrière du cerveau. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, dans notre équipe. Donc, ici, vous avez un cerveau humain. Donc, le sang, quand il circule au niveau du cerveau, il ne se promène pas comme il veut. Il se promène à travers un réseau là, de tuyaux, si on veut, plus ou moins grands, les vaisseaux sanguins, les capillaires, etc. C'est ce que vous avez ici, une image en résonance magnétique là, d'un cerveau avec tous les vaisseaux sanguins, le réseau de vaisseaux. Ce qu'on sait, c'est qu'on voit ici chez un bébé souris, le système nerveux central, le cerveau est très bien isolé du reste du corps. On voit ici la moelle épinière. Donc, tout le système nerveux central est protégé par cette barrière-là. Si on a une mutation génétique sur un gène que je vais vous reparler qui s'appelle la Claudine 5, qui fait comme une porte qui ferme la barrière, si on perd ce gène-là, à ce moment-là, on perd la barrière, là, l'imperméabilité de la barrière. Ça, c'est une mutation qui n'existe pas chez l'humain parce que le bébé souris ne peut pas survivre. Donc, c'est vraiment important, c'est essentiel à la survie d'avoir une barrière qui est intact ou à tout le moins très imperméable, pas 100 %, mais une bonne imperméabilité. On sait que la barrière est faite de plusieurs couches. Donc, vous avez ici une cellule sanguine, un globule rouge. On a une première couche de cellules endothéliales qui forment la barrière. On a une deuxième membrane et on a des astrocytes. Puis les nutriments qui vont permettre de nourrir les neurones du cerveau et donc nous permettre de faire nos fonctions, là, que ce soit gérer le stress, mais aussi la mémoire, tous les apprentissages, mais il faut qu'on les nourrisse, ces neurones-là. Et ça va passer par les vaisseaux sanguins et ça va traverser la barrière, les nutriments, pour se rendre jusqu'aux neurones. Et donc, nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse. La manière qu'on croit que ça fonctionne, c'est un peu compliqué. Je vais vous amener là, de gauche à droite tranquillement avec le pointeur. Ce qu'on croit, c'est que quand on vit du stress chronique, on a des changements au niveau de notre immunité. Donc, notre système immunitaire va répondre. Puis quand je parle de stress chronique, je parle de stress vraiment longtemps, du stress fort, là, pas être pris dans le trafic, un vrai stress chronique. Donc, on va avoir des changements immunitaires, on va avoir plus de marqueurs d'inflammation qui vont circuler dans notre sang, puis éventuellement, ça va endommager notre barrière au niveau du cerveau, puis ça va changer les cellules qui sont, notamment les neurones, qui sont dans notre cerveau. Notre cerveau, il faut savoir qu'il est très plastique, donc il s'adapte. C'est pour ça qu'on peut apprendre une nouvelle langue, on peut apprendre des nouvelles choses, un nouveau sport, mais il est aussi plus, c'est pour ça qu'il y a une barrière, il est plus vulnérable parce qu'il demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment le protéger. Et donc, nous, on s'intéresse, on pense que le stress aurait des effets sur cette barrière-là qui protège notre cerveau. On va en reparler, mais ces effets-là sont réversibles. Donc, ce n'est pas parce que notre barrière s'ouvre un petit peu à cause d'un stress que c'est pour toujours. Donc, c'est possible de la refermer.
Les approches expérimentales qu'on utilise dans notre laboratoire ici à Québec, au Centre de recherche cerveau, on a un tout nouveau centre pour faire de l'imagerie à résonance magnétique. Donc, si vous avez un cerveau de souris, vous pouvez voir la résolution est vraiment pas la même que chez un humain. Donc, ici, vous avez un cerveau de souris, une souris vivante qui fait une imagerie comme un humain le ferait. On a injecté un colorant. C'est le même genre de colorant aussi qu'on utilise chez les gens pour voir les vaisseaux. On voit qu'ils sont plus blancs, donc ils sont illuminés. Donc, c'est le genre d'expérience là qu'on peut faire pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos souris. Faut que vous sachiez que moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche, un cerveau de souris, c'était comme un pixel, là. Fait qu'on a vraiment une grosse amélioration au niveau de la technologie, ce qui nous permet de faire des nouvelles découvertes. On utilise aussi différentes techniques pour tester l'imperméabilité ou pas de la barrière. Donc, vous voyez ici en bas une souris résiliente avec un beau vaisseau qui est complètement imperméable, alors que la souris susceptible ici en haut, il y a un petit peu plus de passage là, de molécules qui sont en rouge ici, de l'intérieur dans le sang vers le cerveau. On voit que ça ne va pas très loin, mais quand même, c'est un petit peu plus perméable. Ensuite de ça, on peut utiliser de la microscopie pour voir vraiment la structure de nos vaisseaux. Vous voyez ici là, notre vaisseau chez une souris pas stressée, il est très bien protégé par sa barrière en verre, là, la tight junction, la jonction serrée Claudin 5, alors qu'on a des petits gaps, des petits trous chez notre souris stressée. Encore une fois, c'est réversible, c'est des choses qu'on essaie de tester, là, je vais y revenir. Mais on peut utiliser de la microscopie, on peut utiliser de la microscopie même électronique, où là, on peut aller voir vraiment la jonction serrée, on le voit, ça fait comme un zipper un peu. Puis chez notre souris stressée, bien, on a des petites poches, donc notre zipper est un petit peu ouvert, fait que ça, c'est un petit peu différent. Donc, on peut utiliser plein de types de microscopie comme ça pour aller voir de plus en plus pointu. On regarde les gènes. Je vais en reparler un petit peu aussi, là. Il y a eu des questions par rapport à ça au niveau des gènes, donc les gènes qui sont impliqués dans la barrière. On peut même faire des chirurgies, donc on peut ouvrir artificiellement la barrière parce que ça nous permet de répondre à est-ce que c'est une cause ou une conséquence. Parce que des fois, on peut voir des changements. Exemple, on a un petit trou ici, mais ça, est-ce que c'est ça qui cause la dépression ou la vulnérabilité au stress? Bien, là, à ce moment-là, on peut utiliser des approches où on fait des chirurgies puis vraiment essayer de comprendre le lien de cause à effet. Enfin, ce qui est très important, c'est que c'est beau tout faire ça chez la souris, mais si ça, on voit pas ça chez l'humain, à quoi ça sert? C'est intéressant, mais on peut aller une coche plus haut. Donc, on collabore entre autres avec des chercheurs de Montréal, la Banque de cerveau du Douglas. On a des échantillons de cerveaux de gens qui malheureusement se sont suicidés, qui ont eu la générosité, eux ou leur famille, de faire un don là, de leur cerveau, ce qui nous permet de vérifier que ce qu'on voit chez l'animal, on le voit aussi, dans le but d'éventuellement pouvoir aider là, des gens déprimés avant de se rendre là. Faut savoir aussi que les dons de cerveau, c'est pas en signant sa carte de don d'organes au niveau de l'assurance maladie. Faut vraiment contacter la banque pour dire, moi, ça m'intéresse si jamais il m'arrive quelque chose. On a besoin de contrôle en passant des gens qui ont soit un accident ou qui ne meurent pas là pour. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur cerveau pour l'Alzheimer ou de certaines maladies, mais pour le suicide, c'est plus complexe. Puis des contrôles, c'est difficile. Les femmes aussi, c'est plus difficile. Et donc, qu'est-ce que ça fait le stress? Je vous en ai glissé quelques mots là, pendant le début de la présentation. Mais vous avez ici là, un article, c'est le travail que j'ai fait quand j'étais à New York comme postdoctorante. Donc, ce qu'on a vu dans un petit schéma, c'est que le stress, ça rend la barrière plus vulnérable chez nos souris susceptibles qui ont vécu du stress chronique. Donc, chez nos souris contrôle, nos souris résilientes, notre barrière, elle est bien étanche. S'il y a des marqueurs qui circulent, ils ne pénètrent pas à l'intérieur du cerveau. Par contre, chez nos souris qui ont vécu le stress social, l'intimidation sociale chronique, on voit plus d'inflammation qui circule dans le sang. Ça crée des petites ouvertures au niveau de la barrière. Ça, on le voit au niveau des gènes, on le voit au niveau de la structure des vaisseaux, au niveau des jonctions serrées. Puis ça permet l'infiltration de signaux inflammatoires du sang vers le cerveau. Et ça, on a montré que ça crée des comportements, de dépression du type, de l'isolement social, de la perte de plaisir, etc. Une chose qui est importante à savoir, c'est que la science, vous l'avez vu avec la COVID, les récentes découvertes, ça se fait pas en silo. On fait ça de plus en plus de façon internationale, en équipe, ça permet d'avancer plus vite. Donc, vous avez ici l'article avec les auteurs. Donc, c'est moi, première, qui menais un peu le projet là, sous la supervision de Scott, mon directeur de recherche à l'époque. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de noms. Donc, c'est tous des gens qui ont participé, qui ont apporté leur expertise au projet, ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement.
C'est un peu la même chose que j'essaie de faire ici à Québec. Vous avez ici les résultats d'une étude, là, le premier article de notre laboratoire. C'est moi qui est dernière cette fois-là. C'est moi maintenant la boss, si on veut, la chercheure senior. Et c'est un article qui a été mené par Katarzyna Dudek, ma toute première étudiante au doctorat qui vient d'Europe. Elle, ce qu'elle a montré, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous ai dit, ce qu'on a vu avant, c'est chez nos souris susceptibles. Mais comment nos souris résilientes maintiennent leur barrière, l'intégrité de leur barrière. Donc, c'est un peu ce que Katarzyna a exploré. Puis, ce qu'elle a vu, là, que je vous présente un résultat rapidement, c'est quand on regarde les gènes qui changent, c'est important de voir, de se rendre compte que chez nos souris résilientes, on a autant de gènes qui changent que chez nos souris contrôle post-stressé. Donc, à peu près 500 gènes, versus nos souris qui montrent de la dépression, versus les souris post-stressées, c'est à peu près 480 gènes. Donc, quand on dit qu'on est résilient, c'est pas comme ne pas être stressé. On s'est adapté à la condition de stress, puis on a réussi à surmonter là, cette adversité. Donc, c'est le message à retenir. Être résilient, c'est pas comme ne pas être stressé. Il y a vraiment des adaptations. C'est des adaptations différentes qui mènent à la vulnérabilité au stress et éventuellement la dépression. Et donc, ce que ça veut dire pour vous qui nous écoutez, qui n'êtes pas des souris, entre autres, c'est trois choses que j'ai espoir, ou en tout cas que je crois qu'on peut tirer de ça. D'abord, détecter la dépression. Comme je disais, ça se fait encore avec des questionnaires. La dépression, je vais en reparler rapidement après, là, bientôt. C'est plus prévalent où il y a plus de femmes qui souffrent de dépression, mais on croit que c'est peut-être parce que les questionnaires ne sont pas adaptés aux deux sexes et on manque des hommes, entre autres. Et donc, avoir des outils, des biomarqueurs qu'on pourrait mesurer, par exemple, dans le sang, ça serait vraiment un gros pas en avant. Donc, je vous ai parlé d'imagerie à résonance magnétique. La barrière, on peut tester sa perméabilité via l'imagerie à résonance magnétique. Peut-être qu'on pourrait, on ne peut pas faire ça chez tout le monde. Ça coûte cher, mais aussi, il faut aller quand même faire l'imagerie là, à l'hôpital. Mais peut-être chez des populations vulnérables. Vous avez entendu parler, si vous étiez là, la conférence précédente de maladie d'Alzheimer. Donc, il y a beaucoup plus de dépression chez les gens qui souffrent d'Alzheimer. Comme je l'ai dit aussi, les gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Donc, on pourrait peut-être essayer de la détecter là, avec ces techniques-là comme moyen de prévention. Ensuite de ça, les biomarqueurs. Comme je disais, on a montré qu'il y a de l'inflammation qui passe du sang vers le cerveau. Donc, peut-être qu'à l'inverse, là, il y aurait de l'inflammation ou des biomarqueurs qu'on pourrait mesurer là, qui passent du cerveau vers le sang. Et enfin, des nouveaux antidépresseurs. Donc, au lieu de viser seulement le cerveau, essayer de viser aussi là, peut-être l'inflammation ou protéger mieux la barrière. Et je vais vous dire un mot rapidement sur les femmes. Donc, traditionnellement, en recherche, on travaillait beaucoup chez les souris mâles, entre autres parce que les souris femelles ont des hormones. Les souris mâles aussi ont des hormones. Ce n'est pas une bonne raison. Et en plus, dans la dépression, c'est deux femmes pour un homme qui vont vivre de la dépression. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qui se passe au niveau des souris, si on stresse des souris mâles versus des souris femelles, puis qu'on regarde les gènes qui changent dans le cerveau, deux régions précises, là, le cortex préfrontal et le noyau accumbens, ces deux régions vraiment clés pour la régulation des émotions. Bien, on voit que les souris, les gènes qui changent, c'est complètement différent entre les mâles et les femelles. Donc, les gènes qui sont pareils, c'est à peu près 20-30 % entre les mâles et les femelles. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose chez les humains. Donc, si on prend des cerveaux, de gens qui malheureusement sont suicidés, des hommes et des femmes, puis qu'on regarde les gènes qui changent, chez des contrôles versus des gens qui sont suicidés, mais on voit que les gènes qui sont similaires, c'est à peu près seulement 10 %. Donc, la dépression, quand on regarde ça d'un point de vue biologique, là, au niveau des gènes dans le cerveau, c'est comme si c'était deux maladies différentes si on est un homme ou une femme. Et donc, peut-être qu'on pourrait avoir des bien meilleurs traitements si on tenait compte plus de ces différences-là. Je l'ai dit rapidement, Laurence, qui est dans le chat, là, mon étudiante, c'est son projet. Donc, elle va essayer de voir si le stress qu'on a fait chez nos souris mâles, qui endommageait leur barrière, qu'est-ce qui se passe chez les souris femelles. Puis, je vous donne un petit teaser, là, un petit scoop, c'est que c'est pas la même région qui est vulnérable chez les femelles versus les mâles. Et je vais dire un mot rapidement sur la chaire Sentinelle Nord. Donc, dans le contexte de la chaire, on utilise une approche global, donc on étudie le cerveau et ce qui se passe au niveau de la barrière, mais aussi, comme je disais, ce qui se passe dans le sang. On inclut même le fameux microbiome. Donc, on sait que les bactéries là, qui sont dans notre intestin peuvent influencer plein de biologies, là, que ce soit au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de ce qui circule dans le sang, notre système immunitaire, etc. Et donc, on collecte
plein d'échantillons chez nos souris qu'on stresse, puis on regarde à plein de niveaux là, qu'est-ce qui change pour voir si on peut faire des liens là, entre ces différents changements biologiques. Et donc, on croit que nos travaux chez la souris vont permettre d'identifier des nouveaux mécanismes. Comme je disais, on travaille aussi avec des cliniciens puis des banques d'échantillons pour valider ce qu'on trouve chez la souris, chez l'humain. Des hommes, des femmes, mais aussi des populations différentes, comme par exemple les populations nordiques, les gens du Nord, avec les changements climatiques notamment, leurs conditions de vie changent rapidement. Ils ont une diète qui est différente aussi. Donc peut-être que pour eux, les changements biologiques sont complètement différents. Donc on croit que des approches plus populationnelles pourraient mener à peut-être éventuellement de la médecine personnalisée, parce qu'on ne pense pas que c'est une pilule qui va guérir la dépression ou le stress chronique chez tout le monde de la même façon. Enfin, comment être plus heureux, résilient? On va y revenir dans les questions, mais c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut promouvoir la résilience chez nos souris? Comme je le disais, le fait que les souris, l'avantage ou un des avantages, c'est qu'on peut changer une variable puis voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, j'ai François, un étudiant de maîtrise, qui donne un environnement enrichi à ses souris. Donc, c'est un peu comme un penthouse de souris, où ils ont accès à des jouets, à plus d'environnement. Donc, ils augmentent leurs conditions socio-économiques, si on veut, puis on regarde ce que ça fait au niveau vasculaire. On va y revenir, mais l'exercice aussi, on peut donner accès à une roue, puis voir si on va avoir plus de souris résilientes, puis si oui, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a changé là, dans leur biologie. On croit que peut-être qu'on pourrait faire des combinaisons thérapeutiques avec peut-être un changement, comme je disais, au niveau de l'inflammation, en plus de traiter le cerveau. Et ce qu'il faut retenir donc de la présentation là jusqu'à maintenant, c'est que vous avez ça ici là, dans un petit schéma, c'est qu'on peut avoir de la biologie qui nous rend plus vulnérables. Ça peut être des expériences qu'on a vécues quand on était jeune, des abus ou des grands stress, de l'intimidation, ce qui peut nous rendre un petit peu plus fragiles. À ce moment-là, il faut faire attention si on vit beaucoup de stress au quotidien ou si on vit un événement traumatisant comme la perte d'un emploi, un proche, etc. Il faut faire attention là, pour ne pas basculer là, vers la dépression ou un trouble de l'humeur. On peut prendre des actions, comme par exemple la diète, avoir une bonne diète, des bonnes habitudes de vie, faire de l'exercice. À un certain point, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, que ce soit au niveau des antidépresseurs ou encore de la psychothérapie. C'est quelque chose là, qui peut nous aider là, à nous ramener là, vers un bonheur. Là, ou mieux se sentir. Et donc, je vais terminer avec quelques chiffres. On sait que la dépression, il y en a autour de nous. Vous avez ici des chiffres pour le Canada. Donc, à peu près 5 à 6 % là, au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est avant la pandémie. On sait qu'il y a des gens qui vont vivre de la dépression majeure, mais aussi il y en a qui vivent des troubles bipolaires. Et comme je disais, c'est à peu près une personne sur 5 à une personne sur 8 là, au cours de sa vie, dépendamment comment on regarde les chiffres. Quand on pense au suicide ou à la dépression, on a des fois une idée préconçue de c'est qui va se rendre là, à ce point-là puis causer l'irréparable. Si vous regardez des données sur le site de l'Association québécoise de prévention du suicide, c'est un site que je vous invite à visiter qui est vraiment très bien fait, on voit que le groupe d'âge où il y a le plus de suicides, c'est pas, des fois on pense que c'est des plus jeunes ou des jeunes adultes, mais c'est chez des 50 à 64 ans. Donc, faut pas avoir des idées préconçues, puis il faut rester attentif là, autour de nous avec nos proches. On sait aussi que chez les jeunes filles, il y a une hausse des tentatives à travers les dernières années. Donc, il faut quand même rester vigilant là, puis ne pas hésiter là, à demander autour de nous là, les gens comment ils se sentent, surtout encore une fois dans le contexte de la pandémie. Moins d'interactions sociales directement. Avec Zoom, des fois, c'est pas facile, mais il faut vraiment rester attentif. Et enfin, je veux terminer avec une note positive. Je suis d'une nature optimiste et dans la vie en général. Donc, le stress, c'est pas seulement négatif. On a tendance à voir ça comme quelque chose qu'il faut surmonter, qui cause l'adversité, qui est mal. Mais en fait, le stress, ça nous a permis de survivre à travers beaucoup d'adversités. Nos ancêtres, il a fallu qu'ils sauvent du lion pour réussir à survivre. On sait qu'entre autres, dans certains organismes, le fait de les stresser, ça leur permet de vivre plus longtemps parce qu'ils développent des façons de survivre puis de s'adapter, ce qui leur permet là, d'avoir une meilleure qualité de vie ou à tout le moins même d'augmenter leur vie en tant que telle. Aussi, chez l'humain, ce qu'on se rend compte, c'est que le stress, ça permet de bâtir des souvenirs durables, mais aussi de la résilience. Donc, j'aime bien l'exemple de Matt Hill, qui est un de mes collègues et amis qui est à Calgary,
qui parle des montagnes russes, que la montagne russe, comme si vous faites le petit train aux Galeries de la Capitale, si vous avez 4-5 ans, vous allez vous en rappeler, mais si vous avez 20-25 ans, ce ne sera pas le truc le plus excitant que vous allez avoir fait. Par contre, si vous allez à la ronde, puis vous faites le monstre, où il y en a certains qui sont très épeurants, ben c'est ceux-là que vous allez vous rappeler, ces montagnes russes. Et aussi, ben, quand on se dépasse, qu'on survit, on surmonte de l'adversité, ça nous donne des outils pour surmonter de l'adversité pour à plus tard. Donc, ne pas vivre de stress du tout, probablement qu'on serait hyper vulnérable la première fois qu'on en vivrait. Donc, c'est important pour se préparer pour le futur et l'avenir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite, là, ma collègue Sonia Lupien a publié un livre Par amour du stress que j'aime énormément. Il y a une nouvelle édition qui est sortie récemment. Et moi, je travaille beaucoup du côté souris. Elle travaille vraiment beaucoup du côté humain. Elle a un site, le stresshumain.ca. Elle a un magazine aussi, le Mammouth Magazine. Donc, elle, c'est pas un lion, c'est un mammouth, là, le stress. Et si vous voulez en savoir plus, là, il y a plein d'articles qui sont intéressants, notamment des moyens avec la pandémie, là, pas de survivre, mais de s'adapter puis de surmonter ce qui se passe en ce moment. Et tout ça pour finir par dire merci à mon équipe. Donc, vous avez ici mon équipe actuelle, là, en haut, là, les membres de mon laboratoire. On est une dizaine. J'ai aussi plusieurs étudiants qui sont passés, là, au cours des 3 dernières années. En fait, mon labo va avoir 3 ans la semaine prochaine. Donc, on n'est pas encore à la maternelle, mais ça s'en vient. Je me dois de dire merci aussi à tous mes collègues. Je collabore avec des collègues en Europe, aux États-Unis, un peu partout à travers le Canada, qui nous permettent, comme je disais, d'avancer la recherche plus rapidement. J'essaie de promouvoir aussi beaucoup la diversité, l'équité. J'ai des étudiants de plein de programmes, des étudiants de biochimie. Vous avez Laurence ici qui est dans le chat, qui est en neurosciences. J'ai des étudiants, Fernanda qui est brésilienne, qui est en biochimie. Katarzyna qui vient de Pologne, qui est en sciences naturelles. Hélène qui est en neurosciences. J'ai des étudiants de médecine aussi. Donc plein de programmes là, différents. Tout ça pour vous dire que c'est le temps des impôts, là. Il va falloir les faire, là, dans les prochaines semaines. Donc, je tiens à vous dire merci à vous aussi parce que tous les partenaires qui financent nos recherches, il y a entre autres le gouvernement du Québec via vos impôts, ainsi que le gouvernement du Canada via différents programmes. Il faut que vous sachiez que vos impôts contribuent à former la future génération de scientifiques, mais aussi de professionnels de la santé parce que j'ai Raphaël qui est en psychologie, Jonathan qui est en médecine, Louisa qui s'en vient, qui est au Brésil, qui va faire de la recherche aussi, François, que j'ai mentionné. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je vous dis un gros merci, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Merci, merci infiniment. C'était absolument passionnant. Il y a énormément de commentaires. Excellente présentation. C'est formidable. Moi, j'avais eu un petit scoop. J'avais vu la présentation en images et je trouvais ça assez complexe, mais vous avez une capacité de vulgariser qui est absolument merveilleuse. C'était excessivement digeste. Donc, un énorme merci et un bravo. C'est sûr que si on apprend à apprivoiser le stress, à savoir qui il est, déjà, c'est peut-être une source un outil utile pour le diminuer en partant. Donc, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à faire j'aime sous la vidéo, à partager, à l'envoyer à d'autres. Elle va rester en ligne d'ailleurs. Si vous avez manqué le début, vous pourrez y revenir. Et sinon, vous pourrez aussi l'acheminer vers d'autres personnes. Et puis, on va maintenant passer au temps des questions. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, c'est le grand rendez-vous en santé avec Caroline Ménard sur le stress et la santé mentale. Donc, avant d'aller plus en profondeur dans les questions du public, là, il est déjà 11h45, donc on va essayer quand même de faire des réponses courtes, mais on a instauré un petit jeu en ouverture des questions. Donc, questions très courtes, quiz rapide, on essaie de répondre en un ou deux mots. Et puis, donc, je vous les lance en rafale. Ça vous convient? Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Parfait. Alors, question en rafale. Quelle est votre partie préférée du cerveau? Je vais dire l'hippocampe. Je vais quand même élaborer. Petite Euh, parenthèse. donc, l'hippocampe, parce que c'était mon premier amour. Moi, j'ai commencé à faire de la recherche sur la mémoire. Donc, comment la mémoire se forme, c'est une des zones principales. Si vous étiez là pour la conférence sur l'Alzheimer, vous en avez probablement entendu parler. Et c'est impliqué dans le stress. Et aussi, les hippocampes, c'est des beaux animaux marins. Donc, il y en a à l'Aquarium de Québec. Donc, l'analogie avec l'animal aussi. Pour relaxer, vous préférez la lecture ou la musique?
Je vais dire la musique parce que je lis beaucoup dans le contexte de mon travail. Je devrais lire plus des romans, j'aime beaucoup ça, mais la musique, je vais dire la C'est musique. moins relaxant de faire des lectures dans le cadre du travail, évidemment. Alors, on en a parlé de musique heavy metal au début, donc possiblement qu'il y a un lien avec cette réponse-là. La marche ou la course? La marche. J'aime bien aller, on reste à Beauport, j'aime bien aller marcher pas loin de la rivière, là. Il y a des canards ces temps-ci, j'aime bien ça. Et finalement, la forêt ou la ville? Je dois dire un peu des deux. On fait du ski aussi beaucoup ces temps-ci, notamment au Mmh. Cammercier, donc la forêt. Par contre, quand on restait à New York, j'aimais beaucoup me promener en ville. C'est presque une forêt de building, là, mais ouais, les deux. Ben voilà, félicitations, vous avez rempli cette première courte mission de questions en rafale. On va passer avec les questions du public. On en a reçu plus d'une centaine. On a fait le tri, on a essayé de faire un peu une gradation. J'en ai noté quelques-unes aussi dans le clavardage que je vais apporter. Peut-être, ben je vais me lancer avec la première qu'on avait prévue, puis je vais enchaîner ensuite avec les questions en direct. Donc, question d'Emmanuel. Biologiquement, est-ce qu'il y a une différence entre le stress et l'anxiété? Donc, on vient à la définition première. Il y a le stress, l'anxiété, il y a peut-être la peur aussi. Comment on fait pour distinguer les uns des autres? Bien, en fait, je vais donner un exemple. Si je vais sur l'autoroute, je me promène tranquillement, puis tout à coup, il y a un auto en avant de moi qui freine brusquement puis qui se met à déraper. À ce moment-là, mon corps va réagir automatiquement. C'est le stress qui va embarquer. Donc, je vais avoir une réponse. Mon cœur va se mettre à battre plus vite. Ma respiration va s'accélérer. Mon estomac va peut-être se nouer aussi. Puis soudainement, mon cerveau va vraiment se mettre en focus sur la crise qui est en train d'arriver. Gérer ça. Un coup que ça va se résorber, le contrôle va revenir, le stress va diminuer physiquement, je vais me sentir mieux. Donc ça, c'est vraiment une situation de stress, c'est la réponse physique. Le lendemain, si je veux reprendre l'autoroute, peut-être que je vais y penser, je vais me dire, ouais, hier, j'ai eu un peu peur quand je passais là, tout ça. Donc ça va être de l'anxiété, un peu de l'appréhension, est-ce que je vais revivre le même stress? Mais si je retourne sur l'autoroute, ben ça reste là. Par contre, si j'y pense, puis que je me remets à revivre, là, mon cœur se remet à s'emballer, je fais un peu une crise d'anxiété, là, on parle d'un autre niveau là, d'anxiété. Puis si je décide que je veux plus du tout aller sur l'autoroute après ce qui est arrivé, parce que là, on parle d'une phobie, là, c'est vraiment, je vais prendre tous les chemins plutôt que de passer par là, on voit que ça fait comme un escalier, en fait. Donc, plus ça va, plus le stress est élevé. Ce qui est important de savoir, c'est que cet escalier-là, on peut la monter, mais on peut la redescendre. Par contre, pour la redescendre, rendu à un certain point, ça peut prendre de l'aide, là. Il faut aller chercher des ressources. Chez l'animal, on peut aussi essayer de voir, là, dépendamment du niveau de stress, anxiété, mais c'est plus difficile, encore une fois, parce qu'on ne peut pas demander à la souris, tu te sens-tu anxieuse ou tu es vraiment stressée. Donc, c'est sûr qu'au niveau animal, là, ça se confond un peu plus, là. C'est plus compliqué. Il y a une question de Nathalie Lococa ici qui recoupe un peu celle d'Isabelle qui était en direct, qui posait la question, bon, le stress aigu sur plusieurs jours qui devient un peu chronique, est-ce qu'il y a des symptômes accumulés qui pourraient mener, par exemple, à une perte de conscience ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres dommages qui deviendraient irréversibles? Bien, on pense pas, le stress, ça mène pas à des dommages irréversibles. Encore une fois, je suis une nature optimiste, mais c'est sûr qu'on peut être plus fragile, plus vulnérable, donc il faut faire attention. Quand on se sent stressé aussi, notre cœur battra pas à 150 toute la journée ou tout le temps. On peut avoir des périodes où ça va être plus difficile, des périodes moins. Ce qui est important, c'est de définir des moments où on s'arrête puis on essaie de prendre du temps pour soi pour justement faire diminuer le niveau de stress. Sonia donne souvent l'exemple de juste mettre des écouteurs pendant 15 minutes, aller dans sa chambre, faire fermer la porte, puis danser vraiment intensément. Puis juste ça va créer des hormones, des neurotransmetteurs au niveau de la récompense, du bonheur, puis tout ça. Puis ça peut suffire à diminuer notre stress. Donc c'est un peu plus comme un yo-yo, là. C'est plus comme une balance. Donc faut pas voir notre stress comme étant comme dans le tapis tout le temps, là. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire attention si on se sent toujours, là, une boule, là, stressée. À ce moment-là, encore une fois, il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, là, et des ressources. Il y a une question qui me venait par rapport à ça. Vous parliez tout à l'heure du financement de la recherche, qui est peut-être plus difficile au niveau dépression, anxiété, stress, parce que ma perception, c'est que c'est un peu plus latent, c'est un peu plus difficile à diagnostiquer peut-être. Il y a une question qui venait du public d'Amélie qui disait, est-ce que le questionnaire, c'est la seule façon de diagnostiquer la dépression ou le stress ou l'anxiété?
En ce moment, à ma connaissance, oui. Je fais attention parce que je suis vraiment très du côté bio et pas du côté clinique. Donc, je suis ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre. Donc, je ne veux pas m'avancer trop là, dans des trucs plus cliniques. Mais à ma connaissance, c'est vraiment des questionnaires. Il faut répondre à un niveau de symptômes. Si je me rappelle bien, c'est 5 ou 6 sur 9 pour 2 semaines consécutives. Puis là, à ce moment-là, on va parler là, d'un épisode dépressif. Il y en a aussi qui vont en vivre plusieurs dans une année. Ils vont sentir mieux, ça va retomber. Mais à ma connaissance, oui, c'est pour ça qu'il y a de trouver des biomarqueurs qu'on pourrait mesurer, c'est qu'on pourrait les utiliser pour faire de la prévention, mais on pourrait aussi dire aux gens, votre traitement, vous ne vous sentez pas bien encore, mais on voit que d'un point de vue biologique, ça fonctionne. Et donc, ça peut donner de l'encouragement, là, parce que, comme je le disais, souvent, les traitements, c'est 6, 8 semaines. Donc, les gens se découragent, surtout s'il faut en utiliser plusieurs. Donc, avoir une meilleure idée de la biologie de la dépression, ça va donner des meilleurs outils, un peu comme on voit avec le cancer, où on y va plus avec des approches, là, personnalisées en ayant de plus en plus de connaissances. Absolument. Ben, merci pour la réponse et pour la question aussi, Amélie. Jean-Louis Boucher demande l'influence de la génétique dans le stress. Donc, est-ce qu'on peut hériter d'une propension plus aiguë au stress? C'est une très bonne question. Donc, des fois, on dit le stress, c'est dans la famille ou la dépression, c'est dans la famille, des choses comme ça. Faut savoir que si on regarde la génétique, le code en tant que tel, il n'y a pas un gène qui est associé à la dépression, comme par exemple, il y a des gènes qui peuvent être plus à risque pour le cancer du sein, notamment. On sait qu'il y a quelques groupes de gènes qui peuvent augmenter le risque, mais on parle de quelques pourcents, là. C'est vraiment plus l'environnement. Donc, on parle de l'épigénétique à ce moment-là. Donc, ce n'est pas le code, le gène en tant que tel, mais c'est comment le gène s'exprime qui peut être influencé, notamment par le stress. Les gens qui ont vécu des abus dans l'enfance, on sait que les récepteurs des hormones de stress, les glucocorticoïdes, vont être plus exprimés chez ces gens-là. Donc, oui, il y a l'épigénétique peut jouer un peu, mais encore une fois, c'est tous des processus réversibles. Donc, on sait que il y a une étude très intéressante à Montréal où ils ont montré que chez des mamans rats, on a des mamans rats qui donnent beaucoup de soins, d'autres qui en donnent moins. Si on prend les bébés rats qui ont eu moins de soins à l'âge adulte, ils sont plus vulnérables au stress. Par contre, si on leur expose une maman qui leur donne beaucoup de soins, ben on les protège. Ils vont être plus résilients à l'âge adulte. Donc, c'est pas parce qu'ils sont nés avec cette vulnérabilité-là que ça peut pas être changé et amélioré dans le cours de leur vie. On dit qu'élever un enfant, ça prend un village. Donc, c'est un peu ça. D'avoir une société qui a un bon système d'éducation, de santé, tout ça, ben ça favorise aussi, ça enlève les inégalités qu'on peut avoir au départ, puis ça amène tout le monde sur un pied où tout le monde a une chance, là, a sa chance. Et d'être Donc, résilient, entre autres. c'est encourageant, il y a un peu de lumière dans le village, là. Ouais. Une question ici. Quels sont les organes du corps qui sont les plus affectés par le stress? Cette question-là vient de José Frigo. Merci, José, pour la question. Donc, les organes les plus touchés. Ouais, c'est une très bonne question. Comme je vous disais, c'est sûr que le cerveau, on pense toujours au cerveau parce que c'est lui qui gère au final. Mais comme j'ai mentionné, on s'intéresse de plus en plus au microbiome, entre autres. Le microbiome, c'est intéressant parce qu'on sait que les gens qui sont déprimés, ils perdent la diversité au niveau du microbiome. Donc, on a des bactéries qui nous... Quand vous pensez que vous dormez tout seul le soir, vous n'êtes jamais tout seul, là. Il y a plein de bactéries à l'intérieur qui partagent l'espace. Et donc, on sait que ces bactéries-là ont des influences au niveau de l'inflammation. Ils peuvent être plus inflammatoires. On sait qu'on a une barrière intestinale, comme on a une barrière qui protège notre cerveau. Donc, j'ai des étudiants qui travaillent, ils s'intéressent à savoir si on stresse nos souris, est-ce que notre barrière intestinale est plus fragile, comme notre barrière du cerveau pourrait être plus fragile. Puis peut-être que l'inflammation qu'on voit, c'est de là qu'elle pourrait venir. Fait que là, à ce moment-là, on pourrait essayer de changer la diète, entre autres, promouvoir là, la diversité de nos petits microbes là, qui sont à l'intérieur. C'est sûr qu'on quand on pense au stress, on pense beaucoup au cœur aussi, donc la santé cardiaque. On va en reparler, je pense qu'il y a une question au niveau de l'exercice, donc je ne veux pas vendre là, le scoop, mais c'est ça. On s'intéresse, moi, dans mon labo, là, la souris, quand elle donne sa vie, donc on trouve ça important de collecter le maximum de données qu'on peut. Donc, on récupère non seulement le cerveau, mais vraiment là, plein d'organes pour essayer de mieux comprendre le stress, pour vraiment avoir une réponse là, de tout. Parce que moi, je suis dans un département de neurosciences, mais des fois, je présente dans un département plus d'immunologie ou d'autres. Puis là, des fois, les questions sont complètement différentes, puis ça nous donne des idées auxquelles on n'avait pas pensé, parce qu'on a tendance à garder le focus sur le cerveau. Ouais. L'interdisciplinarité amène de Exactement. nouvelles réponses, de nouvelles questions aussi. Il nous reste 7-8 minutes, donc on va essayer de faire des réponses peut-être plus succinctes pour
y répondre au maximum parce qu'il reste quand même plusieurs questions. Bon, on ne les passera pas toutes, mais on va essayer de faire le maximum. Donc, le lien entre le stress et l'estomac. Donc, on continue. Vous avez parlé un petit peu de diète, là, mais ce serait quoi le lien qu'on peut faire entre le stress et l'estomac? Ben, en fait, ça va dans les deux sens. Donc, comment notre microbiome agit pour influencer notre cerveau, mais on sait aussi que notre cerveau peut directement influencer notre microbiome. Donc, faut pas voir ça comme le cerveau est le seul acteur clé, là. C'est vraiment un tout. C'est pour ça qu'on essaie d'étudier plus une approche biologique globale. Mais comme je le disais, ça prend des collaborations entre les équipes de recherche parce que souvent, chacun va avoir son petit domaine là, de recherche pointu. Puis là, en essayant d'avoir des approches comme Sentinel Nord, où là, on fait des ponts entre les équipes de recherche, ben là, on peut essayer d'évaluer une question avec une plus grande lunette, si on veut, là, avoir un plus grand parapluie pour mieux comprendre. Excellent. Question d'Étienne Ferron-Forget. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais est-ce qu'en général, les gens sont plus stressés qu'avant et en quoi cela vient-il impacter notre biologie? C'est une bonne question. Je me suis fait poser ça une fois. Le rôle dans l'évolution, là, le lien entre l'immunité, le système immunitaire puis le stress. En fait, c'est qu'à l'époque, nos ancêtres, il fallait qu'ils fassent ils faisaient face à des grands stress, comme par exemple un lion qui nous court après. Mais en même temps, il y avait beaucoup de pandémies, il y avait beaucoup de bactéries, les milieux étaient stériles. Donc, notre évolution a fait qu'il fallait à la fois combattre le stress d'un point de vue psychologique et physique, mais aussi des bactéries, des virus, des choses comme ça. Maintenant, on vit dans un monde, dans les 100 dernières années, avec que ce soit les antibiotiques, les vaccins, toutes ces choses-là, qu'on est beaucoup plus protégé d'un point de vue de l'immunité, mais peut-être que notre système immunitaire s'est pas encore adapté au fait qu'il y a plus à combattre comme plein d'affaires ces temps-ci. Donc, il vit le stress psychologique, il veut participer à la réponse au stress, et donc, il essaie d'embarquer dans le bateau aussi. Et donc là, quand on est stressé dans le trafic, notre système immunitaire répond en voyant ça comme une crise, en fait, alors que notre cerveau devrait lui dire, regarde, c'est juste le trafic, là, c'est correct. Donc, mais c'est une très bonne question d'un point de vue évolutif, là, c'est un pensez-y bien, comment ça fonctionne, ouais. Et là, plus il y aura du financement pour la recherche sur le stress, plus on pourra établir ça dans le temps aussi à l'avenir. Michel Vézina, est-ce qu'il existe un lien entre le stress chronique et la fonction cognitive, donc la démence dont on a parlé au dernier rendez-vous? Oui, donc j'ai une étudiante Alice qui travaille un peu là-dessus. Je peux donner l'exemple, souvent quand on cherche un mot, plus on essaie d'y penser, il y a quelqu'un qui nous dit, ah, tu sais, tel film, plus on essaie d'y penser, puis plus on y pense, plus on stresse, moins on trouve, puis éventuellement on arrête d'y penser, puis soudainement ça nous revient. Donc oui, les circuits qui sont impliqués, comme je le disais, l'hippocampe, entre autres, dans la mémoire, est aussi impliqué dans le stress. Donc ces circuits-là dans le cerveau, là, travaillent de pair. On sait aussi que chez les personnes plus âgées, il faut faire attention au stress. Des fois, on a des tendances à oublier, puis là, si on se met à stresser, qu'on a perdu nos clés et à penser juste à ça, ça peut être plus difficile de les retrouver. Mais il n'y a pas un lien entre le fait que le stress va éventuellement mener à l'Alzheimer à l'âge plus avancé. C'est encore une fois une condition qui est réversible. Il faut voir le stress plus comme une réaction physique temporaire et pas comme un mode de vie, si on veut, là. On y va rapidement, on en fait trois dernières. Louis P. Boulet, comment l'exercice peut-il aider à mieux tolérer le stress psychologique? La J'arrête pas question d'en parler, fait que je vais en qui parler. En fait, c'est que quand j'ai commencé, on savait que l'exercice, c'était important, mais à part pour la santé vasculaire, tout ça, au niveau du cerveau, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Une des choses qu'on a découvert dans les années 90-2000, c'est qu'on croyait qu'on avait un nombre de neurones dans notre cerveau qui était fixe, mais on s'est rendu compte qu'avec, entre autres, l'exercice, on peut booster ou on peut augmenter le nombre de neurones là, dans certaines régions du cerveau. Le stress, entre autres, va ralentir cet effet-là. Donc, faut savoir que les neurones peuvent augmenter leur connexion entre eux. Donc, c'est pas le nombre autant que les connexions qui sont importantes, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut jouer là-dessus. Donc, comme je disais, François, lui, son projet, c'est qu'il va voir est-ce qu'on voit un effet comme ça pour la santé vasculaire, entre autres. Est-ce qu'on peut protéger notre barrière avec l'exercice? Est-ce que si on donne accès à des roues à nos souris pendant qu'elles sont stressées ou elles se font intimider, on va avoir plus de souris résilientes? Est-ce que les souris résilientes vont être celles qui vont le plus courir dans la roue? Toutes les hypothèses sont ouvertes. Donc, on est en pleine expérimentation. Question sur le bon stress, le mauvais stress. Vous aviez terminé sur une note positive. Donc, la différence entre les deux, est-ce qu'on est capable de percevoir que c'est un bon stress ou que c'est un stress qui est malsain?
Ben, sur le coup, le stress, c'est dur de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est si ça dure trop longtemps. Mais je pense que du stress, en général, je peux donner l'exemple en voyage, je me suis perdue avec des amis dans les Highlands, là, en Écosse, dans le coin du Loch Ness. Sur le coup, on était hyper stressés. On pensait devoir appeler un hélicoptère pour venir nous chercher. Puis finalement, on s'en est sorti au bruit, au son des cornemuses puis des moutons. Après coup, c'était le plus beau moment du voyage. Mais sur le coup, c'était vraiment stressant. Fait que j'aurais dit que c'était un mauvais stress, mais après, ça s'est transformé en bon stress. Fait que c'est ça, faut le voir comme ça. Faut pas le voir là, noir et blanc. Ça a créé un souvenir impérissable, Exactement. en fait. Dernière question, puis qui va mettre la table un peu pour la prochaine conférence, qu'on va avoir. Comment mieux s'adapter en ces temps de pandémie? Elle vient de Mélanie Mailloux. C'est encore une fois une excellente question. Vous avez des très bonnes questions du public. Je dirais que une des choses de stress qu'il faut savoir, c'est que quand on a l'impression qu'on a le contrôle, ça fait toute la différence. Donc, avec la pandémie, ça a été très stressant parce qu'on avait l'impression que notre monde était chamboulé, mais en plus, on n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait. Donc, de s'organiser, moi, j'essaie vraiment de me garder un horaire avec une routine, des choses comme ça. Ça nous donne confiance, puis on a l'impression d'un peu savoir ce qui s'en vient. Aussi, trouver des façons de se trouver une recette de résilience. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ça peut être de vous faire une fondue au chocolat, c'est bon pour booster la dopamine. Ça peut être, moi, j'ai commencé à faire du pain comme plein de gens. J'en ai fait un, Choco Canneberge, demande spéciale de mon chum pour la Saint-Valentin. Ça augmente le circuit de la récompense dans le cerveau, être fier de son pain quand il sort du four. J'ai très hâte de jardiner aussi, donc de trouver des activités des fois qui sont peut-être nouvelles, mais qui nous sortent là, de notre zone de confort. J'ai déjà commencé à lire le blog du jardinier paresseux. Mes parents ont eu la générosité de nous équiper en trucs de jardinage. Donc, j'ai vraiment hâte pour ça. Fait que de se reconnecter aussi avec des activités qu'on aime beaucoup, de ne pas oublier ça, là. Puis des fois, fermer la télé ou les médias sociaux, tu sais, de regarder toujours là, combien de cas, combien de vaccins, combien. À un moment donné, ça crée là, de l'anxiété puis du stress. Donc, des fois, de prendre un petit break, c'est correct. Formidable. Merci pour tous ces conseils. On voit beaucoup de liens avec la nourriture aussi, qui est un plaisir dont on ne se prive pas finalement. Merci. C'est ce qui conclut ce grand rendez-vous en santé. Au nom de la Faculté de médecine de l'Université Laval, je tiens à remercier encore une fois Caroline Ménard, qui a fait preuve d'une très grande générosité. Le Centre de recherche cerveau du CIUS de la capitale nationale, on les remercie également pour leur précieuse collaboration. Et notre partenaire présentateur, Gestion financière MD, grâce à son soutien, on va pouvoir remettre de nombreuses bourses aux étudiants et étudiantes qui sont la relève en santé. Alors, un énorme merci. On vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Merci de contribuer à la santé de notre population, Caroline. Ça me fait plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Serge, à tout le monde qui a organisé aussi, que vous ne voyez pas, mais qui sont dans la salle avec moi en arrière avec les masques. Puis je tiens à vous dire à tous, je sais que la pandémie, ça a été difficile, mais encore une fois, il faut être optimiste, trouver des façons d'être résilient. Puis le message, c'est que si jamais vous avez besoin d'aide, ne pas hésiter, là, trouver les ressources et pas hésiter à faire signe. Voilà, ben c'est à mon tour de vous remercier. Vous avez été plus de 600, 650, je ne sais pas jusqu'où on est allé, là. Le chiffre variait, mais c'est formidable. N'hésitez pas à partager, ça va rester en ligne. Vous allez pouvoir le revoir ou l'offrir à quelqu'un d'autre. Ça a été un privilège, un honneur, bien sûr, comme toujours, d'animer ces grands rendez-vous-là. C'est vraiment quelque chose que je chéris, qui m'apprend moi aussi beaucoup de choses. Donc, je suis sûr que vous aussi, vous apprenez énormément de votre côté. Donc, si vous voulez réécouter cette conférence, elle reste sur la page de la Faculté de médecine. On vous invite à être des nôtres. Prochain rendez-vous, mercredi, le 31 mars. Un grand rendez-vous en santé qui va traiter de l'impact de la pandémie sur l'être humain. Et ce sera avec le professeur Annie Leblanc. Donc, 31 mars, un mercredi, même heure. Donc, vous serez encore une fois, je suis sûr, très intéressé et passez le mot pour qu'il y ait le plus de gens possible. On vous souhaite une bonne journée. On vous rappelle de bien suivre les consignes de la santé publique, n'est-ce pas, en cette période de confinement. Il paraît que les nouvelles vont de mieux en mieux. On va finir par s'en sortir. Donc, on est tous ensemble. Merci. Bonne fin de journée.